Il faut acheter des avions. En leasing. Non, ça c'est le mot qui est en train de tout foutre en l'air ici, parce que les gens leasing, ils prennent ça à tort et à travers. Pour Nangaï, il faut acheter des avions bien, d'occasion, 30 millions de dollars, un avion, et on en prend deux, maximum quatre, et on commence le boulot. Et en 5 ans, madame, 1 milliard de dollars, on a mis ça. Mais avion, on a occasion, on a quatre hôtels de Codan. Au lobby, le baba politique était, mais si on a vu occasion, ils ont posé problème. Pour Parce que l'année. ma tête a pogné autant dans Avion, ça qui occasion, ils ont a posé. qui bah, avion, il y a Bilo Costo, Non, et hey, maman Tika. Tika Koloba, moi, un dingue. Dans l'aviation, Bilo Kwa Nezate. Un avion, on le prend, on le met dans ce qu'on appelle overhaul. On remet l'avion en état et il devient comme tout nouveau. Donc, ceux qui ont été aux avions, ils ont l'objet 30 millions de dollars et qu'ils ont l'avion, ils ont les cacalocos, les bimaki dans l'usine. Et l'avion, on est qu'au servir moque à 10 ans, sans problème. Et ceux qui ont l'ingé continuent, tous ont ici, on a overall, sans problème. Et à l'avion, on a tout coup qu'aux ongos, deux, minimum. Lubumbashi, tous les jours. Goma, tous les jours. Ceux qui ont l'ingé, tout coup qu'aux ongos, quatre. Ce qui est boy bongo tozu yango deux tozu na ya miki ya babi paka paka tozu pe deux ezo sangisa batu na Kinshasa ezo sangisa batu na Goma ezo sangisa batu na Lubumbashi ezo mema na Kinshasa et puis ezo ngisa bango na Goma to na Lubumbashi c'est très faisable les privés les font maman les privés les font avion oyo zo benga ya mabe wana nde oyo eskanga na zo sala des bazans en basomi en Mais haut. qu'est-ce qui Parce qu'il fait, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un avion qui a été acheté, un avion d'occasion justement, qui fait moins de 10 ans, parce que certains ont commencé à polémiquer, ce sont des avions de mauvaise qualité qui ont Non, été achetés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un avion fasse moins de 10 ans et il est à terre, on ne sait même plus? non, C'est dû à quoi? C'est dû à quand, quoi? quand on parle de ce secteur, il faut appeler les experts qui comprennent. Et ça ne se calcule, quand je dis 10 ans, ça ne se calcule pas en termes d'années, ça se calcule en termes d'heures de vol. Et l'avion, ça se paye par heure de vol. C'est-à-dire que quand nous avons un avion, toujours utilisé par heure, et à la bénéfice, toujours calculé par heure, et à la recette, toujours calculé par heure, et à la tout, nous sommes toujours calculés par heure. Tout ce que moi j'aimerais tout se comprendre de place où les avions pour faire, par exemple, pour moi, Si on me posait à moi la question, il faut faire du low cost. Et le low cost, ce n'est pas parce que l'avion est moins cher. Le low cost, c'est parce que ça fait de l'aviation. Et donc, ça, l'aviation, il y a moins cher. C'est-à-dire, tout son bien avion et à occasion, 30 millions de dollars. Et tout son bien en haut, 2 ou 3. Et tout est service minimum pour billets, ça a très moins cher. Et l'avion va faire, va tourner, va faire des, va tourner, va tourner. Des cycles complets en train de tourner dans la République et puis le tour est fait. Maman, ce qui est. Et là, il faut soit dans mon thème, les années. Et ça, il y a une dizaine d'années, Rwanda et Bandaki. Bana 13 avions, les lots. Il y a moins de 10 ans, Air Côte d'Ivoire et Bandaki. Bana 16 avions, les lots. Na Utu Ethiopian Airlines, il dépasse les 140 avions maintenant. Kenya Airways, 34 avions. SAA, Et je vais continuer comme ça. Royal Air Maroc, une soixantaine d'avions. Tous ces pays, on a autour de l'Oana. Le Congo représente leur plus grande destination. Mais ça peut nous coûter. Ethiopian Airlines fait le Congo plus de 6 fois par jour. Pays chantier, pays en voie de développement, ni niezo kangabiso, to uti wapi, to komi wapi, tozo kende wapi, mbote, bande kubalandi face à l'opinion, mbote na bino, boza éparpillé à travers le monde, bozo landa biso, na mikili ya bapaya tope na kati, ya mboka Congo, na Kinshasa, na 24 communes, pe bongo na bongo, kimia na mabota na bino, face à l'opinion, spécialement le loto yambeli bino moko, ya bayo, ya
bana mboka Congo, expert na maimatali transport, azali pilote en ligne, pe azali patriote alingaka mboka Congo mingi, ye azali bongo mwana mboka monsieur Serge Ilunga Lukunga mingi mingi to bengaka e commanda mwana mboka mbote mbala liboso to yambo e pana biso boni nazanga mokote sur ces plateaux le kola bomesa no nazana ndeko dangzang pona ngambo ya lopoto mwana mboka mbote mbote bienvenue au commandant Serge Ilunga, plaisir de vous avoir sur plateau. Merci ndeko Serge Ilunga commanda likambo etali transport ya mboka na biso. C'est vrai que mboka na biso za chantier monene, est-ce qu'ils ont fonctionné ti esika oyo, ce qu'ils ont fonctionné na esika ni les ont fonctionné, ce qu'ils ont fonctionné te ni les ont sala ke et fonctionné te kino mokona lelo 64 ans après l'indépendance. Ils ont fonctionné te, ils ont fonctionné te parce que nous sommes dans ce que j'appelle la politique politicienne ou la politique politique. Quand on parle de la politique politicienne ou la politique pour la politique, ça veut dire que je m'engage dans la politique parce que je trouve que je peux gagner quelque chose, je peux trouver quelques bénéfices, je peux accomplir ceci ou cela pour moi, ma famille et mes amis. C'est ça qui a fait que tokokako évolué était dans le secteur et à transport il est là. Après 64 ans, il fallait tous aller déjà Moussika. Pendant fête indépendance, na Twitaki, na lobby 64 ans déjà, on aurait dû déjà réaliser Mambobele. Mais le cola, après ma Belge, Yai, Kasavubu, Lumumba, Mobutu, et puis Elandani Tilelo, la politique politicienne n'est bloquée Kibiso. Et na minute toujours le banan ou le col en gana zamoutou, na botami, pe na coli tilelo na zaka na secteur à transport, ça ne va pas. C'est un grand chantier, et ça va défi miner les photos relevées. Et ceux qui te sali en goté dernièrement, j'étais quelque part dans la chaîne Moussousou, dans le but que ce qui t'a relevé défi à secteur à transporter, t'a relevé dans le Kwamboka. Alors vous parlez de la politique politicienne, c'est qui un peu englobe tout et tout le monde à la fois. Est-ce un problème de l'homme congolais ou du système ou de quoi exactement? Parce que la politique politicienne, c'est quand même un peu vague. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement là, par rapport à la politique politicienne? Non, je veux dire que aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, pendant les 64 ans, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui s'engagent dans la politique, ils ne s'engagent pas avec l'idée d'apporter quelque chose. Ils s'engagent avec l'idée de gagner quelque chose. Laurent Gbagbo a dit ceci. Laurent Gbagbo, il a dit ceci. Il a dit, si on veut être riche, on doit faire les affaires. Si on fait la politique et on croit qu'on va être riche avec la politique, c'est pas bon. Si on veut être riche, allons-y faire les affaires. Parce que la politique n'enrichit pas. Quand la politique enrichit, donc il y a un problème. Alors, et quand maintenant quelqu'un vient dans la politique avec l'idée de s'enrichir ou d'enrichir aussi ses amis, c'est ça la politique pour la politique. C'est ça la politique politicienne. Alors, quand vous et il faut apporter les idées, il faut proposer quelque chose. C'est pourquoi je suis là. Pour proposer. Tout passe par la politique. Pour que le secteur marche, ça ne peut passer que par la politique, si je vous comprends bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, prenons l'exemple de moi et vous. Oui. Si vous voulez être riche, allez faire les affaires. Si vous voulez être riche, allez faire le commerce, allez faire les affaires, pas la politique. Maintenant, quelqu'un s'est dit, ok, je vais être bourgmestre parce qu'ils ont fait bien, c'est ça la politique pour la politique. Et c'est ça qui nous a freinés depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les Belges, quand ils sont partis, ils ont laissé le Congo. C'était une superpuissance économique en Afrique et dans le monde aussi. Mais aujourd'hui, je vous donne par exemple dans le cas du secteur agricole, quand les Belges sont partis, nous étions premiers dans tous les produits agricoles qui existent dans l'humanité. Les Belges nous ont laissés premiers. Aujourd'hui, nous n'étions concurrents que des grands pays comme
par exemple, Mafutambi, là, tout ça qui concurrent en Indonésie. Vous voyez? Aujourd'hui, même le café, tout, nous ne sommes même pas parmi les 5 premiers dans le domaine à café en Afrique. L'Ouganda fait 900 millions de dollars l'an, rien qu'avec le café. Et des fois, ce café-là vient de chez nous. Des curieux experts, dans le domaine, il y a transport, ce qui est tout si banane ici, car on a urgence, les lois ici, quand il y a pas de pépo, na transport en commun, na ma Italie, transport, il y a bah, navire, pe bon, la bon, ni ni pensez, ça urgent pour tout avancer. En tout cas, c'est peu limakasi. Dernièrement, on a vu port moko, na ville à Kinshasa, na port moko. Na kanyango na ba photo, na tali port, ya ville na kati ya ville à Kinshasa, na kanyango photo. Est-ce que là, mukena tweeté ango me pesi ngana soni. Soko tuninga yo lo bake, ni nyeza urgent, nyo seza urgent na Congo. Mais de manière tout à fait technique, il faut to bandana nini. Jamais de faire. Na za pilote. Na koka ko lo bano avion. Parce que, et qu'on tient à l'aise parce qu'il y a des moussala na salaka. Mais il faut qu'on ait un chemin de fer. Pour nani? Nde komo kwa yebi si biso boi. Nde komo kwa pesa ki biso conseil depuis kala. Alobi, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Stanley. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Un penny, c'est un dollar divisé par 100. Et nde kwa na parcourir Congo, alobi ke, so ki mboka ou yo Congo, ba sali chemin de fer te, mboka na bango ekozala na valeur ya 1 dollar divisé par 100. Tout ce qu'il voulait dire c'est que ceux qui bateau ba sali chemin de fer na mboka na bango te, mboka na bango ekozala na valeur moko te. Na mukili. Il y a quelques jours, il y a 2 3 jours nazaki na Joburg na aéroport, nde komo atalinga lobi vous venez d'où? Vous êtes de quel pays? Na ebi siye Congo. Atikali fixe lobi. Oh. Congo. Ngabi oui. Abi bon. Pardon. Par rapport à Uganda, Congo est à wapi. Na sutuki parce que tata ya Uganda, tata ya Congo. Mutwana yebi place Congo eza, a yebi place Uganda eza, a yebi place Congo eza te. Vous voyez? Donc Stanley tango lobaki que sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny et le kwenga lobeza que sans chemin de fer Congo et ozanati na te. Alors, j'ai lu un commentateur, quelqu'un qui a un historien qui a commenté sur cette phrase vers les années 10, 20, 15, j'ai oublié, a ça le commentaire à l'obibo. Et le Stanley a l'ingara l'obéza boy. Ce qui Congo et Zangi chemin de fer, les populations congolaises auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. La nanga malam. Alors, ce qui Congo et Sali chemin de fer, la population à Congo. Et qu'on a la mis sous la bango braqué vers l'extérieur. Je m'en vais vous démontrer qu'il avait 100% raison. Aujourd'hui, Kinshasa dépend de l'Angola. Le Nord Kivu dépend du Rwanda et de l'Ouganda. Le Sud Kivu dépend du Rwanda et du Burundi et un peu de la Tanzanie. Le Katanga, le Haut Katanga dépend de la Zambie. Le Lualaba dépend de la Zambie et un peu de l'Angola. Kinshasa ici, on dépend un peu de Brazza et un peu de l'Angola. Vous voyez qu'il a eu raison quand il disait, il y a des coins au Congo ici, par exemple, si vous allez vers l'espace oriental. Au Koutabazo, Liambongo, Ouganda. Il y a des coins ici au Congo central, sur aucun village, au Koutabazo, Liambongo, Brazza. Donc, l'okola tosali chemin de fer te na Congo, conséquence, nos populations dépendent des pays voisins. Et tant on a zolo ba question tout ça les chemins de fer de tourler la monoko mboka, c'est parce que sur le plan commercial et sur le plan des affaires, notre pays va être sérieusement dépendant de ses voisins. Et vous avez vous-même l'idée de ce que ça implique sur le plan sécuritaire. Et sur ça la passe mingi pour déjà ce chemin de fer est comme compliqué puisque dès là déjà pour voiture et les kezate, vous pensez que c'est possible tout qu'il y ait une ascension? C'est très très possible. Stanley à Salaki projet wana, ça lui a pris 8 ans. Stanley Ezwa qui est 8 ans. Et Azalaki n'a pas tracé, Ezaki tracé. Yé mon moto a tracé, yé mon moto a sali, Ezwi est 8 ans. Les lots, on a pas trace. SNCC, on a pas trace. On a trace, on a pas trace.
Ça veut dire que ceux qui t'ont l'indiqué qu'à trace ou on a pu te réhabiliter chemin de fer, ça nous fera moins de 8 ans. Peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Mais Ndeko, maman, hein, papa, ceux qui t'ont sali chemin de fer, tu es au voisin de Bissot. Est-ce que les Tanzaniens ont un projet de bâtir le chemin de fer et couvrir l'Est il y a un projet qui existe. Il y a un projet qui existe. Il y a un projet qui existe. Les Tanzaniens vont couvrir l'Est du Congo avec le chemin de fer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on a intérêt à ça. Nous aussi, on va bénéficier un peu, mais c'est quand même triste, non? En quoi la construction d'un chemin de fer paraît urgent que la construction des routes, même la réhabilitation des moyens de transport maritime, en quoi le chemin de fer a une plus-value sur les autres moyens de transport? C'est moins cher. C'est-à-dire que, regardez, les lots minerais à Katanga, ils ont qu'un de vers le monde, par le sud, par l'Afrique australe, non? Les obi makatanga et kiti et kei et puis une zone zela ma yekei non mais natam mobutu bando sanin natam mobutu bando zonga boy natam mobutu minerai à katanga et zala ki zonga boy ti et ko zola mai na Congo central. Est-ce que vous imaginez nombre misala? Est-ce que vous imaginez emploi? Vous imaginez côté social? Mais tango tozo lala biso ba congolais tango tozo lala na seba secteur ne tu tozo lobela on se moque de nous ailleurs hein? Parce que ce qu'aujourd'hui, tout ce que le Katanga évacue vers l'extérieur, ce qui ont remonté en Oboui, et Zongeli, Nakatia Congo, et Zui Chemin de Fer, et Zui Maï, et Zongi, et Zui Fleuve, et Zui Ale, Komia, et Zui Train, Onatra, et Keiti, et Zui Maï à partir de Matadi. Mais, les amis, ça là est belé, hein? Des centaines, hein? Des milliers d'emplois ont été créés. Et ce qu'on s'est renseigné bien, c'est que dans la gare Nyon sur la SNCC, par exemple, il y avait des centres médicaux modernes. Mais ceux qui t'ont réhabilité, ils ont aussi imaginé ça. Tous les docteurs, tous les jeunes docteurs Nyon sur la SNCC, ils ont aussi sa classe. 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 Mais ce côté chemin de fer, il n'y a plus de problème. Mais le chemin de fer devra rouler parce que le chemin de fer auquel vous faites allusion, c'est le chemin de fer laissé par les colons belges. Non, oh. J'ai dit seulement qu'ils nous ont laissé des traces. Donc, Stanley, lui, n'avait pas de traces. Il est à Salakinzela, il est Moko. Mais Bissot, le loto, a un avantage. Sauf qu'il y a Itagawa, sauf qu'il y a Isoka, au Romona, Rayezali. Tout ce que nous aurons à faire, c'est réhabiliter. Ça, c'est pour vous faire voir. En tant que pilote, moi, je suis pilote dans ce pays depuis 20 ans. En tant que pilote, j'aimerais bien dire que Somba avion, tout ça, c'est une bonne chose. Mais s'il faut impacter Zala, il y a ma casse direct, c'est le chemin de fer. Nazo Tounayo, maman. Sans le chemin de fer, je vais aller très fort, hein? Je vais provoquer maintenant. Hein? Sans le chemin de fer, même la cohésion nationale est très difficile à réaliser. Comment ça? Ah, on a besoin bête à ma casse ici. Sans le chemin de fer, même la cohésion nationale est très difficile à réaliser. Maman, moutoua fandra na tchela, a okoma lisa la journée. Moutoua fandra na isiro, a okoma mboujima ikan. Na moyenine. Est-ce que yébike Kinshasa isiro, des fois, koma ba $700-800 par avion? Kinshasa, un simple quinoa, il verra boyende kan. Il y a des gens, bayoki bunagana, quand tant problème est quoi yaki kuna. Avant, bayoyene bunagana, ils auraient pété, ils auraient pété, ils auraient pété. Si nous avons le chemin de fer qui couvre toute la République, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire le chemin de fer et négliger autre chose. Non, je ne dis pas cela. Mon frère m'a demandé on doit commencer par quoi. C'est pourquoi dans la vie on commence par le chemin de fer parce que ekozwa na moment moko eko aider mboka d'un seul coup na ndenge moko ya makasi. C'est pourquoi j'ai dit ça.
Mais l'aviation aussi, je toucherai à ça dans quelques minutes, ça serait aussi une bonne chose. Mais depuis 64, pourquoi tu penses qu'il y a le lingue là, on a tout réhabilité, je n'ai jamais de faire pour faire avancer le pays. Parce que parce que la plupart des gens ont une idéologie, à Longola, il y a Tiangaï, il y a Bampaka, Longola, Bampaka, il y a jeune. Comme si le problème était à âge. Ce n'est pas un problème d'âge. Lumumba Kasavubu, Lumumba Kasavubu et Mobutu étaient tous des jeunes garçons. Ils étaient très jeunes. Mais ils nous ont foutus dans ce qu'ils nous ont foutus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est la vision, la volonté. Et là, pour moi, âge. Jeune, bah, micro, ça n'a libo maté, bah, le non. Longola, bah, vieux, tiens, bah, jeune. Ça n'a rien à voir. Et là, problème, il y a vision. Et là, problème, il y a idée. Moi, je ne suis pas partisan. Il y a la philosophie politique, il y a. Moi, je suis partisan et à proposition à idée. Ici, je suis en train de vous dire que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Et tant que toujours les kissa, chaque jour que nous faisons passer sans commencer notre projet sur le chemin de fer, le pays est en train de perdre. Nos enfants seront esclaves au Congo. Nazo maman. Les Angolais ne sont pas en train de s'amuser avec nous. Les Zambiens ne sont pas en train de s'amuser avec nous. Il n'y a personne qui va nous donner la tâche facile. Azate, les Angolais sont en train de planifier comment prendre leur part du marché en RDC. Les Zambiens sont en train de planifier comment prendre leur part du marché en RDC. Les Rwandais, la même chose. Les Ougandais veulent prendre leur part du marché en RDC. 120 millions d'habitants, tout le monde considère la RDC comme un marché où il faut venir prendre sa part. Et pendant ce temps-là, nos enfants deviendront quoi? Les Angolais veulent ravitailler Kinshasa, le grand Bandundu, le grand Kasai, par leur grand port de Lobito. Les Zambiens veulent ravitailler le grand Katanga, un peu le Lualaba. Les Tanzaniens veulent ravitailler le Tanganyika et un peu Olomami. Les Rwandais veulent ravitailler le Nord Kivu. Les Burundais veulent ravitailler le Nord Kivu. Les Ougandais veulent ravitailler l'espace oriental. Maintenant, nous, on devient quoi? Qu'allons-nous devenir? Nos enfants, nos grands-enfants? C'est pourquoi on doit se réveiller aujourd'hui. J'aimerais revenir un peu sur la question de chemin de fer. Je trouve que c'est quand même important. Comment on peut le faire pendant que nous savons que le chemin de fer fonctionne, doit normalement fonctionner avec le courant électrique, un bon courant électrique dans le pays, c'est que nous n'avons pas. Non, là vous parlez d'autre chose. La desserte est à 15%, tout autour de 15%. Selon les ministres des ressources hydrauliques. Non, là vous parlez d'autre chose. Quand je parle de train, je parle de train. Je parle du train normal qui ne fonctionne pas avec du courant. Très haut, tokola nango, il bandaro le choc, 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 choc. Et ça, on a courant, hein? sans vous arrêter, un train, les trains modernes, on voit aujourd'hui des trains qui fonctionnent, par exemple, on va partir au Sénégal, en France, même dans l'Union Européenne, les TGV pour... On n'a pas besoin de TGV pour l'instant. Ce sont les trains modernes, on va revenir au train des Belges. On n'a pas besoin de TGV pour l'instant. Si on fonctionne veut, avec l'huile moteur. Si on veut relier, si nous voulons relier Matadi et Kinshasa, si nous voulons relier Kinshasa et Lubumbashi par train, si nous voulons relier Kinshasa et Goma par train, on n'a pas besoin de faire cela avec un train électrique aujourd'hui. On peut faire avec... un train normal, non? On n'a pas besoin de train électrique aujourd'hui. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est ça la plus grande erreur, Yabisoba Congolais. Pendant que vous êtes en train de tergiverser, que oh non, il faut courant, faut courant, pendant ce temps-là, les Tanzaniens, eux, sont en train de calculer comment nous amener les trains et amener les dividendes chez eux. Hein. Et ils vont les faire. Hein. Ah, Naïbi Sibino, ils vont les faire. Ceux qui te continuent là, là-bas, ils vont les faire. Hein. Et après, tu le tomboka, ils vont les faire. Hein. Parce que le Congo est un grand marché. Ça fait 2 345 000 km². Il y a le bois, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a la terre qui est propice à l'agriculture. Il y a la population, il y a la jeunesse. C'est plus de 60 millions de jeunes de moins de 30 ans en RDC. Mais c'est un grand marché. Nous, nous tergiversons. Les autres vont venir faire. Et on ne saura pas les empêcher. Alors, des pays comme aujourd'hui Dubaï, si on revient 30 ans, 40 ans derrière, c'était plus ou moins des déserts.
Mais aujourd'hui, quand on les visite, on a l'impression qu'il y a une transformation très, très, très rapide. Là, on a Dubaï, première fois, en 1999. Ce que j'ai vu à Dubaï en 1999 et ce que je vois à Dubaï aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Mais on peut faire la même chose. C'est pas impossible. C'est pas impossible, pas du tout. Comment nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui a accéléré leur... Les idées. Les idées. Est-ce que les idées nous manquent? Mais il y a une autre idée à chemin de fer, il y a au boya. Non. Et puis moi, je ne suis pas ici en train de comparer les chemins de fer aux routes, non. Je suis seulement en train de dire que maman Dengo Fandia, au niveau qu'il y a des Congolo, au niveau qu'il y a des Dilolo, au niveau qu'il y a des Yasabonga, oui, Yasabonga, on a ça la Congo Mobimba. Oui, il y a sa bonga. Oui, bien goûté. Oui, dit Lolo. Oui, bien goûté. Oui, Boende. Nakombo peut-être. Mais est-ce que autant pour la vie, bambo, quand on a autant pour la monde, on a toutes nos questions. Est-ce que na libota na famille? Famille est cause à la cohésion sur votre bataille à la raté? C'est impossible, cohésion est à la famille sur votre bataille à la raté. Comment voulez-vous maintenir la cohésion nationale au Congo? S'il y a des coins du Congo qui sont complètement coupés entre eux. Il y a des points qui sont complètement coupés. Donc, nous avons dit que nous avons dit maman, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Donc, le transport est un facteur de cohésion nationale. On ne doit pas continuer à négliger le secteur de transport comme si c'était un détail de la vie nationale. Non, le transport est un facteur de la cohésion nationale. Et quand nous entrons dans le transport, nous voyons le chemin de fer qui est un moyen qui accélère cette cohésion nationale-là pour s'affermir. C'est ça ma thèse, c'est ce que je suis en train de défendre. Oh, très bien. Ce qu'il faut qu'on compte un dossier paye à Bandiera, puisque ils ont mon copé à facteur, il y a les cambétali transport, tata mon cambéco la loba qui revanche il y a seul sur les sous, il y a quatre, il y a mandat na yo na quatre, il y a six pliés tout ça na les cambétali production, diversifier notre économie. Vous pensez que ça peut passer nécessairement par transport? Ce qui te rendre possible, ce te rendre possible était aux voitures n'ayez assez, Mercedes n'ayez assez, et qui te croit au démarrer en Awa, ok, t'il ou Mbashi, ce te rendre le quoi possible était, nous allons payer cher dans quelques années. Le bonsoir, faut n'engo fanion, faut à la capable au côté n'a nous tout qu'on a eu assez. Au démarrer en gros, qui s'engagne. Au comme la qui s'engagne, on dit bon, nous avons directé dans les canambandaka. Ce te rendre le qu'on a possibilité, nous allons payer cher. En combien de temps pensez-vous que cela peut être possible? Moi, je. Relier le Congo par route. C'est très faisable. Prenez. 2 345 000 km. Prenez. Koke Moussikate. Zouagaka. Depuis Mouzaïe. Hein? Zoka depuis Moussaïe, Zoka ba PIB annuel, Ozuna ba budget annuel totalisé. Si on s'était focalisé sur les routes et les chemins de fer, on serait très loin. Mais où part l'argent du Congo? Parce que j'ai l'impression que l'argent du Congo, selon votre explication, est orienté vers d'autres secteurs qui ne sont pas utiles. Selon vos analyses, l'argent du Congo part où? Je ne répondrai pas à cette question-là. Pourquoi? Parce que, au moment où la polémique, Mogo Oyo. Et na osana ba argument ko se défendre te et lo ko ngana lingi na loba awa ezali ke ngana lingi gestion na biso ya vie nationale tout se basé sur ba idée o ezo faire avancer mboka. Il faut yo démarrer voiture na yo ke passer week-end na Lubumbashi. Il faut démarrer voiture na yo lobi na kemona kasumbale ça. Il faut démarrer voiture na lobi lelo na kolala na Kwango na Kiri na Inongo na Lisala en voiture. Ça doit être possible. Ce n'est pas parce que tu as un chemin de fer, tu as besoin d'un chemin de fer. Et nous avons vu que tous nos voisins,
Nalobi bien, tous nos voisins sont en train de se préparer pour envahir sur le plan du commerce et des affaires ce pays. Et nous serons dominés de fond en comble par nos voisins. Pas Mindele, nos voisins. Colonisation économique. Ils vont nous dominer. Mais oui, ils vont nous dominer. Bassani, les gars. Bon, Bassani. Oh, bon, Bassani. Loufouyango, est-ce que tout ne vient pas de Loufou aujourd'hui? Quand vous allez à Gambela ici, tout ce que vous allez voir là, ça vient de Loufou, non? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème? Problème, il y a beaucoup, Ezani. Tolingi échange des idées. Ngayo non lobat. Les émissions elles bossent na salité. Na sita sali ba chaîne belé. Ba chaîne non na salité za moké. Mais quand je vais là-bas, boye bi bien, na ibsibino, je veux pas des polémiques politiques. Je veux pas parler des gens, je veux pas parler des partis politiques, je veux pas parler de tout ça, je veux parler des idées. Qu'est-ce idée ango na zo pesa yo? Na zo pesa yo ke tous nos voisins, Angola, Zambie, Tanzanie, tous sont autour des tables en train de réfléchir. Comment envahir commercialement et sur le plan des affaires? Comment envahir le Congo et dominer le Congo sur le plan du commerce et des affaires? Et ils vont le faire. Professeur Joza distrait. Joza Kidiba. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'agriculture. L'agriculture. Tolo Belan, aviation. Avant, Sokokeina, Éthiopie. Nga zwa Ethiopian Airlines, première fois, la vie de Nga Matana Ethiopian Airlines, en 1999, na matière Ethiopian Airlines. Aéroport de Moïse, il y a un Ndolo. Même pas Njili. Njili est bien. Aéroport de Bango, en 1999, il y a un Ndolo. Na zwa à Washington, na kitina à Addis Abeba, bazaki na ba passager au Kokate, ba annulé souki 10 vols. Ba passager ba Siliki, j'ai pris le temps d'aller parler avec le DG. Tu fais le bureau de DG, tu sors toute la journée. Ça, c'est en 1999. Aujourd'hui, Ethiopian Airlines, ils ont presque 130 quelques avions qui sont déjà en ligne et ils ont une soixantaine d'avions en commande. Total, d'ici 4-5 ans, ils vont avoir 200 avions opérationnels. Et là, ils ont dit, vision. Et puis, ils ont soit il y a quelques jours, j'étais à Jobo. Air Côte d'Ivoire, ils ont congolais à Jobo. À Tigiba, on a Kinshasa. À Ké, Abidjan. À Zuba, Ivoirien. Il y a Kinshasa, à Bakiti, à Congolais, à Kokishi, nombre de passagers, à Kéna, on a Jobo. Et ça, ils ont pas cité. Et soit bisotin, et pourtant il fallait ça bisot passer. Il fallait soit bisot. Comment va-t-on baquer les avions pour bien remettre ma Congolais, bisot au Kokate? Pourquoi au Kokate? Les avions, on ne les achète pas cash, tout le monde sait. Tant on a zoba que. Et les Arabes, ils ont combien déjà d'avions? Oh, les lots, ce qui va tout n'inga conseil. Les lots, ce qui va tout n'inga conseil sur qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je dirais, il faut acheter des avions. En leasing? Non, ça c'est le mot. Qui est en train de tout foutre en l'air ici parce que les gens leasing, ils prennent ça à tort et à travers. Pour Nangaï, il faut acheter des avions bien d'occasion, 30 millions de dollars un avion, et on en prend deux, maximum quatre, et on commence le boulot. Et en 5 ans, madame, 1 milliard de dollars, on a mis ça. Mais avion, on a occasion, on a quatre hôtels de Kodan. Au lobby, le baba politique était, mais si on a vu occasion, ils ont posé problème. Pour parce que ma tête a pogné autant d'avions occasion, ils ont posé. Avion, il y a Bilo Costo. Non, hé, maman, tika, que le baba moins dingue. Dans l'aviation, Bilo Kwan est athée. Un avion, on le prend, on le met dans ce qu'on appelle overhaul. On remet l'avion en état et il devient comme tout nouveau. Donc, ceux qui ont été aux avions, ils ont 30 millions de dollars. Et qu'ils ont l'avion, ils ont kakaloko le bima qui na usine. Et l'avion, ils ont servir mok à 10 ans. Sans problème. Et ceux qui ont continué, ils ont été en overhaul, sans problème. Et à l'avion, ils ont été aux 2 minimum.
Lubumbashi, tous les jours, Goma, tous les jours. Sur une bongo, ils tout cause en 4. Ce qui est au boy bongo, tout en 2, tout en 1, Miki, Babi, Paka, Paka, tout en 2. Ils ont sangi sabatou. Na Kinshasa, ils ont sangi sabatou. Na Goma, ils ont sangi sabatou. Na Lubumbashi, ils ont même à Kinshasa. Et puis ils ont sabango, na Goma, tout na Lubumbashi. C'est très faisable. Les privés les font, maman. Les privés les font. Avion Oyo, Zobenga, Yamabeona, Nde Oyo, Eskanga, Zosala, Nde Bazana, Basomi, Ango. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un avion qui a été acheté, un avion d'occasion justement, qui fait moins de 10 ans, parce que certains ont commencé à polémiquer, ce sont des avions de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un avion fasse moins de 10 ans et il est à terre, on ne sait même plus. Non, c'est dû à quoi, Quand on parle de ce secteur, il faut appeler les experts qui comprennent. Mm-hmm. Et ça ne se calcule, quand je dis 10 ans, ça ne se calcule pas en termes d'années, ça se calcule en termes d'heures de vol. Et l'avion, ça se paye par heures de vol. C'est-à-dire que quand nous avons un avion, toujours utilisé par heure, ils ont le bénéfice toujours calculé par heure. Ils ont la recette toujours calculée par heure. Ils ont tout. Nous, c'est eux qui ont par heure. Tout ce que moi, j'aimerais tout se comprendre de place où ils ont que les avions pour faire, par exemple, pour moi, si on me posait à moi la question, il faut faire du low cost. Et le low cost, ce n'est pas parce que l'avion est moins cher. Le low cost, c'est parce que ça fait de l'aviation. Et donc, ça, l'aviation, il y a moins cher. C'est-à-dire, tout son bien avion est à occasion 30 millions de dollars. Et tout sont bien au 2 ou 3, et tout est service minimum, pour billets à la très moins cher, et l'avion va faire, va tourner des cycles complets en train de tourner dans la République, et puis le tour est fait. Maman, ce qui et là qu'il faut soit bien dans mon thème, allez-le, les années. Et ça, qu'il y a une dizaine d'années, Rwanda et Bandaki, on a 13 avions, les lots. Il y a moins de 10 ans, Air Côte d'Ivoire et Bandaki, on a 16 avions, les lots. Naoutchou et Ethiopian Airlines, ils dépassent les 140 avions maintenant. Kenny Airways, 34 avions. SAA, et je vais continuer comme ça. Royal Air Marocain, 60 avions. Tous ces pays, on a autour d'Angeloana. Le Congo représente leur plus grande destination. Mais ça peut nous coûter. Ethiopian Airlines fait le Congo plus de 6 fois par jour. Plus de 6 ans, c'est vraiment important. Ça peut nous coûter combien la relance d'une, on va dire, d'une entreprise d'aviation viable? Ça peut nous coûter combien en termes d'argent? Et ça peut nous prendre combien de temps pour que l'entreprise soit viable et puisse circuler les quatre coins du monde? Je ne vous donnerai pas des chiffres exacts. Pourquoi? Parce que après, quelqu'un ira dire « Oh, allo, babon, n'est-ce pas ?» Ce que je dirais, c'est nous prenons deux 737-800, celui que je pilote maintenant. Mm-hmm. Nous prenons deux 737-800 passagers. Mm-hmm. Nous prenons deux Ki-400 passagers. Avec les quatre avions, on les met là et vous me donnez 5 ans, je vous mets 1 milliard de dollars sur la table. Ethiopian Airlines vient de faire 7 milliards de dollars l'année passée. 7 milliards de dollars. Juste par. Juste avec la compagnie aérienne. 7 milliards. Et nous avons un potentiel dans le domaine d'aviation 10 fois plus que l'Éthiopie. Au niveau international ou au niveau national? C'est Ethiopian Airlines, non? 7 milliards de dollars. International. 7 milliards de dollars. Ils viennent chez nous 7 fois par jour. Quand je vous dis que le Congo est un marché sérieux, je ne blague pas. Ethiopian Airlines vient chez nous 7 fois par jour. Kenya Airways vient chez nous 4 fois par jour. Turkish, ils viennent 2 fois par jour. Peut-être c'est un manque de plan, un plan de développement du secteur d'aviation. Au début, vous m'aviez posé la question, je vous avais dit c'est un problème de vision. La République démocratique du Congo, c'est 16 millions de Congolais vivant à l'étranger. 16 millions. Plus les Congolais vivant au Congo qui veulent sortir, les autres ont déjà calculé et ils ont trouvé que ça leur rapporterait énormément d'argent.
Alors, ils investissent dans le secteur d'aviation et ils viennent au Congo, ils prennent nos frères, ils les déposent à l'étranger et ils prennent nos frères de l'étranger, ils les déposent à Kinshasa et à Kinshasa et à Lubumbashi et à Goma et ils les ramènent à l'étranger et ils se font des milliards. Nous, on sait chamaille qui va être bourgmestre, qui va être commandé à Wenze, qui va être ceci, qui va être cela. Non, Italie, transport aérien, est-ce qu'il faut penser relancer Congo Airways, bien stopper sûr. Ça, l'entreprise, déjà, qu'on s'est mise. Bon, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, je ne sais pas qu'est-ce que ça change. Ce qui est vrai est que la République démocratique du Congo, chaque jour qui passe sans une compagnie aérienne nationale, c'est 2 à 3 millions de dollars que nous perdons par jour. Et ça doit changer. Ah, mais aujourd'hui, ça la passe dans mon thème. Il faut et ça la passe. 3 millions. Il faut et ça la passe. Un jour, on a quitté Nairobi. Barabasi, on va s'en faire fier dans l'aéroport où on a Mokwaye, à Beleli. Bah, oh, bah, kende Nairobi, bolekan à gauche. Bah, oh, bah, en transit vers Mbokamoussous, bolekan à droite. Avion mobimekien à droite. Et bien, l'ingolo bani. Kenya Airways, a tindi avion à Kinshasa, a zuba passager, bah, tondi na avion, a memi bango na Nairobi te. A Mémi Bango juste dans Nairobi pour bas ou avion, il n'y a aucun d'ailleurs. Donc, Bissot, tous en ambongo na maboko, tous en gelo rosala nango, tout que tu fouti ba Kenya, pour bas même à Bissot. Est-ce que c'est normal? Pendant ce temps, billet d'avion est à Koumata et que c'est difficile d'atteindre. Oui, mais jour, Mobutu a tindi, décédé, c'est que nous avons Mohamed Ali. Oui, mon kilindenge n'inganaka. Tant que DC10 et qu'ils ont Mohamed Ali. Bah, pays africain, Moutoua qui a DC10 à Zakite. Moutoua qui a DC10 en Afrique à Zakite. Même en Europe, bah, pays Moussoua qui a DC10 à Zakite. Bah, pays Moussoua qui a DC10 à mais t'as la recul, tout ça. Bah, l'idée, en gros, tout ça. Tout ça, on a mis ça là. Fierté, en gros, c'est tout. Mais le domaine de transport, dans la ville province à Kinshasa, tout ça, la transco. Et à travers le pays. Merci mais de voyer dans le domaine à la ville à Kinshasa. Ça pose problème, il faut le dire. La domaine, mais là, il y a un peu de temps, il y a un peu de et puis après, il y a un peu de temps à Paris, et ensuite, domaine à transport, il y a compliqué. Vous avez quand même ma suggestion, tout peut être ici. Au moins, je suis dans le canal, je suis dans le ailleurs. Au moins, Monsieur le gouverneur, Excellence Daniel Bumba, a komaki na pancarte que Kinshasa est zobonga. Et puis à lobby qui a aussi le sambouteillage. Ce qui a tiré train urbain a quoi échoué. Bon? Tout passe par le train. Na yebi si yuawa, kanga vidéo yu, tout nanga dans 5 ans. Ce qui a tiré train urbain a quoi échoué. Téléma n'a pas ma tête. T'as la tchangou, à 6h du matin. 70% est mis au monde dans les aires de transport. Téléma n'a échangeur, à 6h du matin. T'as la côté à Lemba. La moitié est mis au monde dans les aires de transport. Téléma n'a type K, côté aéroport Andolo. T'as la ville. Marée humaine, qu'on les cas marche à IDPS, période à 1 plus 4. Batounion sozo monana baoke tchangu. Baosa makolo. Baoke makolo. Téléma na poids lourd vers 17e rue. T'as la pomme à tete. Au mona masse ou ezo le kalikolo pomme à tete na makolo. Soki ata bosombi 10 000 bus à Transco. Et aussi sa problème on a te. Train urbain nde aussi ça. Train urbain. Nazo précisé ba mon angaï. Train urbain. Négocier sa problème. De Congo Bilati, il y a qui bussent les canis à Rosa, à Barocard, et les caras Nicolo pour que. Et l'on a quand même un embouteillage. C'est oui. Aussi possible. Oui, ceux qui te salibent à Nicolo et qu'on soulage, Nambou, mais train urbain, Néo Bakino, à Bengaka, fin mission.
Mais il faut passer par toutes les grands postes qui traversent les communes. Il faut un budget, parce que quand vous avez suivi le budget de gouverneur de la ville, 11 milliards sur 5 ans, relier une ville comme Kinshasa par train urbain, ça peut quand même aller au-delà de 5 ans. Nous avons déjà, il battra ses ans déjà. Au moni Kinshasa Nyasuka, Tigar Central, Rayouaneza déjà. Tout ça, les bénéfices, tout ça, il y a trois axes. Kinshasa Nyasuka, gare centrale, Kimwenza, Matete, jusque gare centrale, et puis axe Moussous, Kouta, côté Bakitamo, magasin, Tiba, côté Kouna. Banzela, ils ont déjà, ceux qui ont été archivés, ils ont Banzela déjà, ils ont été créés. Ils ont été créés. Pardon. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est qu'on réhabilite Bilokwana. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez 3 à 4 millions de personnes qui se réveillent chaque jour à 4 heures du matin, tous veulent atteindre les 4 communes suivantes. Kinshasa, Lingwala, Barumbu, Gombe. Bah, on se voit que Kinshasa, Lingwala, Barumbu, Gombe. Les 4 millions de personnes. Et bah, on a mon moko. Ces mouvements-là, des gens, ils vont en ville. Ils vont en ville, non? Ils vont travailler. Mm-hmm. Et si on décentralisait ce travail-là, au lieu que les gens viennent en ville, ces entreprises publiques où ils vont travailler, on les mettait dans les communes périphériques. Matete, ça, c'est aussi un projet. Mm-hmm. Mais là, je suis en train de parler du transport. Donc, mm-hmm. c'est-à-dire que 4 millions de personnes bazouta axia Tchangou, bazouta axia Kimwenza, Rompwenga ba Matete, bazouta pe axia Minza Kitamo magasin Tigar Central. Les 4 millions de personnes là, on peut les déplacer par train, et dès qu'on les déplace par train urbain, c'est très moins cher. Dès qu'on les déplace par train urbain et soulager Banzela. C'est tout. Quelqu'un sur ce plateau a bandé que le banalicanicien de ko danzan que la deuxième ville à Kinshasa n'est pas ça, mais la bamboka mosusu déjà, même en Afrique, ko kanisa ko tonga ville mosusu na kama ba maluku kuna sika batu bazape nza mingete. Oui, pas ni dans ce cas. Nazo ce cas parce que tu gérer Kinshasa pendant 60 ans avec certaines méthodes qui nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui, une ville invivable. Maintenant, au lieu de réparer nos erreurs, nous voulons aller construire une autre ville que nous allons gérer comme Kinshasa, qui après 60 ans nous donnera encore une autre ville invivable. Je ne suis pas contre la construction d'une nouvelle ville, mais je crois que, comme nous connaissons les difficultés de Kinshasa, résolvons ces problèmes-là, ces difficultés-là. Ça n'empêche pas qu'on construise une nouvelle ville, mais si nous construisons une nouvelle ville maintenant, avec notre philosophie, avec notre façon de faire, nous prendrons les erreurs qui ont détruit la ville de Kinshasa, nous allons amener là-bas. Kinshasa, c'est 10 000 km², 9 960 quelques, 10 000 km². Maluku, c'est 8 000 km². Ntsele, c'est 1000 km². Mongafula, c'est 350 km². Donc, si vous prenez les trois communes, Maluku, Ntsele et Mongafula, les trois communes nous donnent 93% de la superficie de la ville de Kinshasa, avec moins d'un million de personnes qui habitent dans les trois communes. Nous prenons maintenant les 21 communes qui restent. Ensemble, ces 21 communes, ils prennent 7% de la superficie de la ville de Kinshasa. 7% de la superficie de la ville de Kinshasa. Mais ils prennent 90% de la population de la ville de Kinshasa. Yebsangai. Manque de planification, manque de vision, manque de projection et tout ça. Parce que ceux qui te l'ont dit que non, tout ce qui est construit une ville, tu remets même erreur. Manque de projection, manque de. Tu remets et nous aurons un problème plus sérieux que celui-ci. Donc c'est d'abord la planification avec ce que nous avons avant de projeter. Corrigeons ce que nous avons. Corrigeons ce que nous avons. Moutou a train, maman, ils ont 1,6 million d'euros.
moto à train. 1 600 000 euros, moto à train. Moto. 1 km de rail, c'est 1 600 000 euros. On arrondit à 2 millions, 2 millions. Oh, tu as inquiété. Mais 2 millions d'euros, moto à train, moko. 2 millions d'euros, 1 km de rail. Pour la gare centrale, c'est moins de 20 km. Donc, avec 40, 45, et même si on arrondissait à 50 millions d'euros, tu as rail, il y a bien Kobanda, gare centrale, Tikingasana-Souka. Et on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin qu'à 4 mito à train. Le problème est que, monsieur. Cécile. Alors, monsieur, si nous faisons ça, c'est que tu es ici. Problème, il y a déplacement dans la ville à Kinshasa. Et ça casse tête, maman. Aujourd'hui, on sait les missions, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Aujourd'hui, on sait les missions, ça prend beaucoup d'énergie mentale. Mais il faut ça là, 2h30 dans Katia Moutouka. Quel est le rendement maintenant? Mais le problème est qu'on a eu beaucoup d'experts qui donnaient les bonnes idées. C'est-à-dire, quand vous êtes hors circuit politique, quand vous parlez, on vous suit, on est séduit. On se dit, celui-là, si on lui donne une responsabilité, en tout cas, le Congo va aller de mieux en mieux. Mais le contraire, c'est que quand on suit un expert comme celui-là, comme vous par exemple, et qu'on vous place en responsabilité pour dire, voilà, commandant, vous qui disiez des belles choses, voici, l'occasion est là pour pouvoir appliquer. On constate souvent. C'est le contraire. Moi, je suis né et grandi dans l'aviation. Je suis né na Fungolimis, mon père était dans l'aviation. Tilelo. Né et grandi dans l'aviation. Je suis dans le secteur des transports depuis na Fungolimis. Je suis dans le secteur d'aviation. Si vous mettez un train rapide entre Kinshasa et Kikwit, si vous mettez un train rapide entre Kinshasa et Matadi, si Kinshasa et dans l'état où il est, c'est parce que le secteur des transports est complètement désaxé. Vous irez bien vivre à Kwango. Mon pépé est bien. Aux olia manga bio. Vraiment. Aux olia paypay bio. Aux olia pondou ya sans engrais. Vous irez bien vivre à Mbankana. Nayo karabatou à l'écran de la télévision. Bazo critiquer. Oh non, tout le monde veut vivre à Bandal. Tout le monde veut vivre à Kinshasa. Mais est-ce que c'est leur faute? Soko kefan na daipen. Mais ça va vous prendre 3 heures pour arriver ici au travail. Et vous ne pouvez pas quitter ici avant 21h parce que vous allez faire 3 heures sur la route. Donc les gens qui partent vivre Liban, les gens qui se confinent à Kinshasa, ce n'est pas leur faute. Mon tout n'est pas ce par rapport au secteur, au transport, au retour sur l'agriculture, les appels très importants. Oh, c'est vrai que Zolinga Kolobela critiquait Kolobela Batote, qu'on a la polémique, le gouvernement soumis ne continue à mon salaire, mais salaire qui programme Nabango et le gouvernement. Vous pensez que le secteur et le transport et salaire qui est vraiment pris en compte? Bon, je ne donnerai pas mon avis sur ce point-là. Je pense seulement que le jour où ils auront besoin de ce que je pense, ils vont m'appeler. Et nous allons échanger. Je travaille comme pilote dans ce pays depuis 20 ans. Je ne suis pas en train de chercher du travail pour acheter du pain. Je vis très bien. Et ça fait très mal d'aller na bamboka mikie. Bamboka mikie mikie za tout autour ao. Kokuta ke bazo solo la bazo planifier ba calculer makambo pour na mbo pour na intérêt na bango. Et des fois même, quand on va calculer pour l'intérêt dans le Congo, l'intérêt est dans le Congo, il faut tirer dans le Congo. Mais il faut faire des Kidiba. À cause de Kidiba, il faut dominer partout. Et je pense que... Mais je ne dirais pas que... Il y a des secteurs qui tournent bien. Il y a des secteurs que je devrais encourager, comme le cas de l'IAO, la fonction publique. C'est encourageant ce qu'il fait. Mais je ne saurais pas donner mon avis sur tous les autres ministères parce que je n'attire pas. Déjà, il soit en gamme, si comment on ce qui se passe. Dernièrement, il y a quelques années, na kiti na bonga yasa. Oye bien beaucoup tout en fanduan. Oyo kango pété même na sang. Na kiti na yasa bonga.
paf, avion est quitté, paf, parking, je vois plus de 1000 enfants d'une dizaine d'années, bah, entouré avion, marée humaine. Non, bah, mon avion, je me suis dit, mais ça, c'est une bombe à retardement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 1000 jeunes ici dans 20 ans? Au moins, donc, il est temps. Congrès à mon sika. Oui, il est temps. Tobanda Moussala, les loups. Demain, c'est trop tard. Agriculture, qu'est-ce qui nous manque? Potolona, Mikolo Leki, ton gouvernement, M. Zouaki, problème. Il y a Massango. Tokiko Luka Massango, Tokiena Nairobi, puis bon, là, bon, Tokiena Mbouma, et puis après, pas tellement de choses. Qu'est-ce qui nous manque en tout cas? Sans citer le nom de gens, évidemment, il y a autant de gens. Il y a autant de gens. Sans citer le nom de gens, déjà, on cite dans la paix. Ni les osanga biso potolo. Avant na yebisa yo eloko ezozanga biso. Na zo pesa yo quelques chiffres. Oyebi prix à 1 tonne à cuivre. Oyebite. 1 tonne à cuivre c'est 8 400 $. Ça varie hein, mais il y a quelques semaines tant on a zoa qui prix est à qui 8 400 $ 1 tonne à cuivre. Oyebi prix à 1 tonne ya cacao c'est 10 000 $. Donc bisonyonso misu na cuivre. Or avec cacao tosala mbongo koleka cuivre. C'est aussi grave que ça. Atayobu. Et cacao oyo. Tsuki ba tienga devant chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ndenge alingeli mboko oyo. Parce que c'est vrai, c'est pas faux. Bah, nous sommes d'accord sur ce point-là. Qu'il veut que le pays avance, il veut, ses, il veut que le pays aille mieux. Tout le monde est d'accord sur ça. Ce bah, tiengai devant yé, n'a qu'on convaincre de investir dans le cacao. Tu as investi dans le cacao, au bout de 4 ans, tu as bandi ba récolte, et tu as sali mbongo koleka oezo bimana cuivre, il y a grand katanga. Mais le maïs, la production du maïs. N'appelle ça yo, chiffre moussous. Oyebi prix ya 1 tonne ya manga c'est 400 $. Et ça mbongo ofele, et ça ba mango ba bwaka. Manga o karatoza. Mango ba bwaka na ipende, mulu ba mama. Manga manga musu ekoyi batu banyati. 1 tonne nango c'est 400 $. Oyebi combien Kenya a produire na avocat année passée? 160 millions de dollars. Au Kenya à produire seulement avec l'avocat. Eh. Bon. Biso avocat, tozo lokota, ozo lia, au boaki. Place au boaki, on est boti. Kenya a produit 160 millions de dollars na, na avocat, année passée. Année où il est. Azote ka avocat na Émirats Arabes Unis, azote ka avocat na Europe. Oui, combien Ouganda a produit avec le café année passée, 900 millions de dollars. Biloko nyonso toko sala ngo mama, toko ki ko sala yango. So ki, lelo ça fait 6 ans Fatia dans le pouvoir. Tango banda ki paf café. Eloko liboso paf café. Mbele héroyo tozo produire 500 600 700 millions de dollars déjà na café. Donc ce to bandi yango lelo lobimboka o balbaki no balbaka to sekimbo. J'aimerais juste poser la question, parmi les produits agricoles qui peuvent vraiment rapporter un gros lot au Congo, parce qu'il y a certains parlent du maïs qui ne dure pas dans la, ouais. dans la production, il y a des pays, des parts entières, des pays qui dépendent de la consommation du maïs. Doit-on commencer par le maïs? Quels sont les produits par lesquels on peut commencer? Oui, si on me demandait, on commencerait au Tobananini. Oui, le maïs figurerait parmi les 5 produits. Il faut tout bananango. Mais cacao, café, thé, et biloko fouezala. Et madame, chaque jour qui passe, Oyo, le Congo en tant que gouvernement, Tozo s'est lancé dans l'agriculture. Sachez-le que nous énervons le monde entier. Mais qu'est-ce que nous manque? C'est même ça la question. Là, je pousse très fort. Hein.
chaque jour qui passe, oh, toujours se lancer dans l'agriculture. Sachez-le, madame, que nous énervons le monde entier. Et un jour, ça va nous coûter très cher. Et ça, quand on là, je n'ai rien, j'ai des enfants qui dorment affamés, mais j'ai l'argent, j'ai l'intelligence. Vous voyez ce que ça fait? Sachez-le que nous énervons le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils constatent que nous continuons dans cette... Je ne suis pas ici pour parler d'eux. Je parle de nous. Quand vous imaginez leur... Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un garde fou, non? Il y a un... Parce que tu te dis que... Ah, moi, il y a quoi? Nanda kuna yo zoa sentinelle, non? Otiaye pourquoi? Parce que tu te dis que mutumabe akoyoya. Mais de la même manière, nous avons une terre. Nous avons de l'eau. Nous avons une forêt. Si ko soki to planifier que il faut to utiliser biloko wana parce que ba voisin ba cause le biso mayele mabe, ça veut dire que na kanisi mabe? Non. Mais revanche il y a sol sur le sous-sol. Oyeko le kamingi na agriculture. Pourquoi eza lancer tes tissus? Est-ce que toujours négliger domaine où on a topé mosolo penzé zo kota na domaine où on a tout toujours on a ba experte? Qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce que l'État ne fois pas sa go? Est-ce que population ne faut à se mettre au travail, maman? Merci, kawana. Concrètement, ngaye yote na oloba, ngaye na oloba et dans ba libusu na le kana chaîne na yo, mais na le kana le ba chaîne est belé na le cas plusieurs fois et na loba na ka biloko na loba biloko asikate. Ce que je suis en train de dire ici, mais ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu nous a donné une terre, Dieu nous a donné de l'eau, Dieu nous a donné une forêt. En plus, il nous a ajouté la population. Nous avons 60 millions de jeunes de moins de 30 ans que nous pouvons utiliser dans l'agriculture. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous avons coupé ces idées à la quitter. Ce qui freine l'agriculture au Congo, ce qui freine l'agriculture au Congo, c'est la politique. Ah bon? Oui. Partout où l'agriculture s'est développée, ça s'est développé parce que les investisseurs dans les secteurs sont garantis de retrouver leur intérêt. Point barre. Et dans le biboué, les experts dans le secteur d'agriculture, Batiebou, aïe, il a tout trouvé. Le pays ne garantit pas les impôts. Oui. Comment? Rétrocommission? Non. Il y a des polémiques dans mon livre. Il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Nous avons eu $1 million. Nous avons commis testament à l'obin de Kodan. Natikali yo 1 million ya yo etikali ya yo. Est-ce que aux 1 million on investir dans masango yo? Quelles sont les garanties aux anango que quand on tient 1 million dans masango on perdre té? Mais il y a beaucoup de pays même en Afrique, hein, quand vous avez 1 million de dollars à investir dans le secteur agricole, l'État vous garantit que vous ne perdrez pas votre argent. Si cette politique nanango ya okoma. Et après, je suis prêt à partager avec quiconque qui est décideur tout sur l'anaï. Mais le problème, c'est lequel? C'est que quand quelqu'un au Congo investit dans l'agriculture, le système ne lui garantit pas que quand il a investi, il va récupérer son investissement. La maman qui va à Mayombe ici et achète un camion de bananes, tu es poli Nanzela, elle perd tout, non? Oui ou non? Oui. Elle perd tout, non? Mais c'est ça le problème, non? Déjà, ça rassure, tu es Nanzela. Mais c'est ça, non? Azo salamo. Deux jours, trois jours. Bitabolia, quand on a Kinshasa, aux Oliango, parce que maman, tu es habitable, on a lingi moussala. Ce n'est pas que tant que ça, on a la garantie. Et pourtant, il faut baser la garantie. Il était absent. On l'a dit, maman. Le manque de loi ou le manque d'application de loi ou la voilà, il n'y a pas de loi qui garantit. Est-ce que mon toit pèse les bangoles canisiennes?
Makanisi eza ebele mwana mboka tokom tozokoma na suka na ye na zoloba bino bokutana kana bango nyonso à tous les niveaux. Oui, il savait qu'il y a quelqu'un qui a des idées, qui partage avec nous. Le problème, c'est lequel, maman? Le problème, c'est lequel? J'arrive à Dubaï en 2001, j'arrive à Dubaï. Je trouve des importateurs africains en train d'acheter des tomates à Dubaï. Au moment de la moitié, oh, ne n'enga pas la tchèque. Na poussa ne pemeni a camion, na bango, na kouti ba charger ba tomates, na ba container. Mais oh, ça c'est quoi que vous faites ici? On a tous des tomates. Vous achetez des tomates à Dubaï? Ils me disent oui. Alors que votre qui m'a belé, en Afrique. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à étudier pour savoir comment est-ce que Dubaï a des tomates. Mm. C'est là que j'ai trouvé qu'ils ont mis en place une politique qui fait que quand quelqu'un prend 100 000 dollars, 200 000, 1 million, il investit dans l'agriculture, il ne perdra pas. Et comme il ne perdra pas, ceux qui ont l'argent, ils investissent dans ça. C'est toute une politique qui existe. Il y a des pays qui le font. Nous ne le faisons pas. C'est pourquoi toujours importer. Quand on a un supermarché dans la ville, 80% de tout ce qu'il y a là-bas vient de l'extérieur. Le pays va continuer à souffrir. Ça fait très mal. Alors, s'il vous plaît, non, mais pour finir, si nous continuons sur cette lancée, d'ici les 50 ou les 60 prochaines années, est-ce que nous pourrons subir les mêmes conséquences qu'on subit aujourd'hui ou elles seront excessives? Ce que tu continues, mon allure, toi, dans le secteur agricole, non? Et dans le secteur agricole, ce que tu continues, c'est que tu as voulu aller à mon camboc. Dans le secteur agricole, il n'y a que ça. Il faut qu'il y ait un réveil. C'est-à-dire, vous savez qu'au bas Congo ici et au bas Nundu ici, il y a des familles entières qui vivent baloni masango bateki, baloni bafruits bateki, ils ne vivent que de ça. Maintenant, si nous ne continuons à rien faire, bientôt, bah produits ou en ébanou étrangers au côté Congo et bah maman wana, na bah famille wana, bah okufanzala. Étant beaucoup Fanzala, ils vont se déverser à Kinshasa, tous. Tous vont se déverser à Kinshasa. Et quand ils vont se déverser à Kinshasa, Kinshasa ira de 15 millions d'habitants à 25 millions d'habitants, criminalité, transport, chômage, voilà. C'est très simple qu'on relance le secteur agricole par une politique. Nazo résumé yo la politique qu'il faut. Na résumé yo yango, la politique qu'il faut. En quelques mots. La politique qu'il faut, c'est celle-ci. Quand quelqu'un investit dans le secteur agricole, la personne doit être garantie qu'il ne perdra pas ou qu'elle ne perdra pas son investissement. Ça, c'est de un. De deux, le déplacement ou la distribution de ces produits agricoles doit être garantie. Troisièmement, le stockage doit être garanti. Surtout ça, les biloko misato. Il y aura un boom dans le secteur agricole dans le Congo. Vous n'avez aucune idée. Parce que maman dengo fandi wana, ozo sala bilangate, zate ko lingi bilangate. Ce que ozo sala bilangate, c'est parce que ozo banga ko perdre un bon. Ko banga wana fwe longwa. Ozo sala bilangate, parce que zate ko yini bilangate. Parce que ce que tindi mbongo na village na bino basa lelo bilanga oza sur na eloko mo côté et tout ça la zone d'ombre nyon soana l'état fois longola yango et ça sera le boom total. Je vais toucher un autre point avant na zone c'est la bino maloba point mosu ezali ya ke l'état lui-même ne peut pas faire l'agriculture. L'état doit préparer l'environnement. L'État doit garantir, l'État doit rendre l'environnement propice pour que ceux qui investissent dans le secteur agricole trouvent des bénéfices. Et puis voilà, surtout au Salibongote, il n'y a pas si mingi. Est-ce que vous avez dit que dans le Congo, il y a un Nzela Moko,
Euta, port ya Lagos, ti port ya Mombasa. Nzela wana traversa Congo, eh bien. Oyebite. Donc moto ko démarrer, moto kana na port à Lagos. Alors bino ke port ya Mombasa. Akoya ti tango komi na entrée ya Congo, nzela kufi. Mouto ko démarrer mouto kanaye na port ya Mombasa. Alors bino ke Lagos. A traverser ba pays nyonso, ba Kenya, a traverser ba Uganda. Tango komi ka na entrée ya Congo, nzela kufi. Tout ça, nous devons changer tout ça. Monté mon passe, commanda Serge Ilunga. Maloba Isaac qui est belé, dossier à tourisme est aussi mieux pensé. Talamakam. Bilo quoi colombana tourisme est allé à Somme. Vraiment. Prochainement. Revanche il y a sous-sol. Revanche il y a sol par rapport à sous-sol. Batu yako s'approprier la vision, on a surtout ba jeune ba sali angote. Il fallait ba jeune, les jeunes intellectuels, les jeunes acteurs politiques, les jeunes qui sont encore vierges politiquement, il fallait ba s'approprier la vision. Et j'espère, je prie Dieu que nous allons comprendre et nous approprier de cette vision et les choses iront bien. Vous pensez qu'il y a quelques têtes quand même, bazo sur Tata Mokameko, dans le sens il y a... Oui, je vous ai cité... Excellence Liaou, Azo Sunga chef de l'État, na cité Kiango, Azaye mon côté basé Belé, mais Yende Ayelinga na mutu na minitoyo, parce que j'apprécie le travail qu'il fait. Et ce qui to sali boyete, c'est-à-dire, bah ça l'a bien, ce qui to encourager, bah ngote zapé mabé. Donc, Excellence Liaou, coup de chapeau, Moussa Lazo Sala, et ça remarquable. Attendez na lobby boye, bah to ba yebi ye, bah yebi ke na lobby à solo. Mais est-ce que Ebi Fati, ce qui a pèsé, il y a un peu de temps qui a échoué. Mais il y a pèsé une idée. Il y a beaucoup de temps qui a été. Pour que tout le monde ait une idée, il y a un lobby qui est tout ça. Le problème est que le secteur agricole est compliqué. Ce qui n'a pas de café, il faut que 3-4 ans. Il y a 7 ans. Sur la loni café fona zela bamboula pour na buka or na la bana misala or il faut qu'on entretenir bilanga wana et il faut na vivre et je vis comment ti na récolte agriculture lelo na Congo ministre agriculture au contredire ngaité et ba expert na secteur agriculture ba au contredire ngaité lelo agriculture na Congo ezali ya oloni obuki oteki lié au moment où nous avons expliqué au boué ce qui pays et sali agriculture ya boué pays on est pauvre au moment il faut l'état à garantir n'a pas au yu bazan à côté à millions à bango na secteur agricole il faut l'état garantir bango que pendant que aux olona ou la lanzalate avant au bouka ou la lanzalate pétant au bouki biloko na yo distribution n'a pas garanti. Stockage n'a pas garanti. Au moment où on a afflué dans le secteur agricole, et belé. Et, chef de l'État, ce qui a pèsé attention à mon cas particulier dans le secteur autozoloba, c'est le succès garanti. Merci beaucoup. Voilà, Commandant Serge. Liki ake tata mukambia ko landa biso. Vraiment. Bon ça année to sala ka bokati botindi bo partager pour que ça et comment na ba sikanyon so surtout na ba yo bazwa ka ba décision pour que mboko na ça fait très mal. Nga na ki monté ma et ça li passe mink. Espérons que dans 3 4 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça ira mieux. Espérons en tout cas. Merci mon amboka, Commandant Serge Ilunga Lukunga. Les gens qui ont été en train de se faire. Vraiment. Ça, c'est pelle. Merci beaucoup, commandant. C'était un plaisir immense de vous avoir ce plaisir. Merci. En tout cas, si vous avez pêché ici, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez traîné dans le temps de la temps. Surtout dans le secteur agricole. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de garantir. Très bien. On se retrouve prochainement na Moto Mosusu. Mais toujours, avec le même plaisir. Tokutani Mikolé Salikoya. Au revoir.